Voici l'essentiel de cette édition matinale sur Béni TV, la chaîne de ta grâce, Religion Côte d'Ivoire. La 7e édition de la conférence des élus du Rocher des siècles, ces roses dimensions d'extension, ouvre ses portes aujourd'hui à la Mérose. On en parle dans cette édition. Religion toujours en Côte d'Ivoire, les rideaux sont tombés sur la conférence des leaders avec le docteur Maurice Cerullo. Une brochette de ministres de Dieu sur la plateforme mondiale y était. À l'international, il s'agira du Brésil réélu de justesse Dilma Rousseff, appel au dialogue. Bienvenue dans cette édition d'information qui s'ouvre avec les informations du Royaume. Comme annoncé dans les titres, les portes de la conférence des leaders du docteur Maurice Cerullo se sont fermées le samedi dernier à la mission Ephrata durant 72 heures. Les ministres de Dieu en Côte d'Ivoire ont reçu des messages à la dimension de leur niveau spirituel par 8 hommes de Dieu, notamment le docteur Maurice Cerullo, le bishop Mike Zino, le révérend Mark Mitz. Le jour de l'apothéose, l'orateur principal Maurice Cerullo a parlé de la double portion en utilisant l'image d'Élie et d'Élisée. Un message qu'il a accentué sur le secret pour y arriver à percer le mystère. Au sorti de ce merveilleux moment spirituel, notre équipe de reportage conduite par Mireille Conan a tendu son micro. Écoutons ici maintenant les ministres de l'Évangile. Il a dit que les temps sont arrivés où Dieu lui demande de libérer l'onction sur la jeune génération. Et il a choisi la Côte d'Ivoire. Nous sommes bénis en Côte d'Ivoire. Et il est passé et c'était effectif. Nous avons été enseignés, nous avons vu l'impact de l'enseignement et nous croyons que Dieu nous a remplis et que nous allons être une bénédiction pour la Côte d'Ivoire, une bénédiction pour l'Afrique, une bénédiction pour le monde. Je suis venu pour cette convention parce que j'ai la ferme conviction que un vieillard dans le Seigneur qui a tant œuvré pour la gloire de Dieu, celui-là à travers lequel des centaines, sont des milliers, voire des millions sont venus au Seigneur, n'est pas n'importe qui. Et quand il s'agit de déposer son manteau, il va falloir le déplacement et valait la peine. C'est pourquoi nous sommes là. Et les trois jours, pendant les trois jours, il a fait deux jours avec nous. Hier nuit et cette matinée, ça a été époustouflant. Nous avons été réellement replonger dans la sphère spirituelle, dans le surnaturel de Dieu. Nous avons été ressourcés, c'était des pères qui nous ont portés sur leurs ailes pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu comme cela se fait. Le docteur Cerullo a une vision pour l'Afrique francophone de se lever, de rompre les chaînes, de vraiment manifester la victoire de Dieu. On a reçu la double portion. Et nous n'allons pas nous arrêter à la double portion, nous allons nous avancer en pleine eau. Il nous a promis la plénitude. Aujourd'hui, on ne peut pas relever ces défis avec une double portion. Il nous faut la plénitude. Et Dieu nous a promis sa propre plénitude. Nous devons avoir Dieu pleinement en nous. Avoir le Saint-Esprit pleinement en nous. Vraiment, nous avons passé une semaine vraiment très agréable. Vraiment, avec l'arrivée du grand homme de Dieu, Maurice Cerullo, vraiment, nous savons que nous partons d'ici avec la double portion pour aller partout en Côte d'Ivoire pour prêcher la parole véritable, gagner des âmes pour la gloire de Dieu. Donc je suis ravie et je suis très heureuse et je sais que je n'aurai pas blindé par la puissance du Saint-Esprit. C'était une meeting fabuleuse. Vraiment une rencontre avec le Seigneur. Tout le monde veut grandir, connaître le Seigneur mieux en mieux. Et moi, ça, pour moi, ça a donné une occasion de lui connaître mieux et de savoir comment de gérer ma ministère, comment de prier devant le Seigneur pour qu'il nous donne l'onction et nous aide à tout ce qu'il faut faire ici, le ministère qu'il nous a donné ici. C'est qui j'ai retenu? C'est que pour que ce mystère reçu, tu dois d'abord avoir le ciel ouvert sur toi et que le Seigneur t'amène dans son secret et qu'il ouvre tes yeux spirituels pour que tu comprennes les choses spirituelles, pour avoir des discernements, pour pouvoir communiquer les pensées, la volonté
est le but de Dieu. Et pour faire cela, il nous a dit une seule chose. Il dit, il faut mourir de soi-même. Il faut que l'ego meure. Il faut suivre celui qui est devant et être au même pas que lui. Alors, ces 3 jours de séminaire ont été vraiment, vraiment importants. Du moment où l'homme de Dieu a mis en exergue la vie en profondeur, voilà, nous bénissons le nom du Seigneur pour sa vie et pour son ministère. Et au travers de ces différentes campagnes d'évangélisation, que le monde entier soit gagné à Christ en esprit et en vérité. Les gens sont venus aux pieds du prophète, 83 ans, 68 ans de ministère, 63 ans de mariage. Vous savez, les gens de Sakarie sont rares aujourd'hui. Et donc, on a déplacé cet homme qui est un général dans l'armée du Seigneur pour permettre au corps du Christ de recevoir de l'impact et surtout la communication de l'esprit. Un homme qui a vécu 64 années de ministère apostolique et prophétique international sans cesse a quelque chose à impacter à la génération à venir. Sa manière de se présenter et ce qu'il a dit confirmé par la présence de Dieu qui accompagne ses mots nous a convaincus que l'Éternel a déposé quelque chose. Une fraîcheur est venue sur la francophonie qui va toucher pas seulement la francophonie, mais au-delà. Une autre porte s'ouvre ce mardi 28 octobre avec la 7e édition de la Cérose Dimension d'extension avec un thème va au-delà de tes limites. C'est un programme de la Mérose de la révérende Monet Jeanne. Cette année, la note de ce programme est allée plus loin avec un orateur d'une dimension spirituelle très profonde, à savoir le docteur Mathius Achimolo. Il est le pasteur principal de KICC. Son ministère connaît une remarquable expansion depuis 10 ans déjà. Il était passé de 350 personnes à plus de 10 000 membres à ce jour. Son ministère TV et radio touche une audience potentielle de plusieurs centaines de millions de personnes en Europe, en Asie, en Afrique, aux États-Unis et aux Caraïbes. Enseignant, motivateur et homme d'affaires, le pasteur Mathius Achimolo proclame dans le monde entier le message du royaume des dieux, de l'indispensable impact de Christ sur les communautés, les nations et au niveau spirituel, familial, financier, émotionnel, politique et social. L'initiatrice de la Cérose, la révérende Monet Jeanne Raïssa, était sur le plateau du journal télévisé du soir avec Mireille Conan pour l'annoncer. Nous l'écoutons. Nous sommes sur ce plateau avec la révérende Monet Jeanne de la Mérose, la servante de Dieu est présente pour annoncer ce tout grand événement spirituel de cette fin d'année 2014, la Cérose, le thème de cette année, va au-delà de tes limites. Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir Mireille, bonsoir chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons la 7e édition de la Cérose, va au-delà de tes limites, c'est le thème, avec pour nomination et également dimension d'extension. Révérende, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le choix particulièrement de ces deux termes? Oui, en fait, dimension d'extension est notre thème général. Il faut dire que d'année en année, nous pensons que la parole de Dieu nous bâtit en taille et nous bâtit aussi en mensuration. Donc, lorsque nous disons dimension d'extension, Dieu nous appelle à atteindre ce niveau-là où nous sommes prêts à nous étirer. Nous sommes prêts à faire un peu plus, à accepter de faire un peu plus d'efforts, de donner encore un peu plus afin que le but soit atteint. Va au-delà de tes limites tout simplement parce que nous avons constaté que là où le rêve s'arrête dans le cœur d'un homme, il s'arrête de courir. Et parfois, il y a de grandes choses encore que le Seigneur aurait pu réaliser, mais simplement que on n'a pas atteint, tout simplement parce qu'on s'est fixé des limites dans notre esprit,
des limites liées à l'âge, aux considérations sociales ou culturelles. Et à cause de ces limites, on n'est pas allé au-delà. Donc va au-delà de tes limites. C'est à la Côte d'Ivoire que ce thème s'adresse. C'est à la francophonie que le thème s'adresse. Nous pensons que le temps maintenant est arrivé pour que l'Église du Seigneur Jésus, les serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu, s'étendent et réellement atteignent le plan de Dieu, rentrent dans le plan de Dieu. Est-ce à dire que cela n'a pas été assez fait, les efforts n'ont pas été assez fournis de la part des hommes de Dieu, des serviteurs et des servantes du Seigneur pour permettre aux chrétiens, pour permettre au corps de Christ, mais également à la Côte d'Ivoire, d'atteindre les objectifs? Non, certainement de grands efforts ont été faits. Il est question maintenant d'encourager, de stimuler pour dire qu'il y a des circonstances qui s'imposent à nous. Il y a des choses que nous vivons, que nous voyons, qui peuvent nous faire comprendre qu'il n'y a plus rien à faire. Va au-delà de tes limites parce que nous avons une nation à construire, nous avons un peuple à construire. Il faut aller plus loin, regarder plus loin que ce qui est, en acceptant de voir le rêve de Dieu, de le plan de Dieu derrière les obstacles qui sont là. Je crois qu'on pourra rentrer et emmener effectivement cette nation-là dans son réveil. Amen. Voilà. Nous avons également des personnes à l'affiche, des personnalités, dirais-je, à l'affiche. Alors, nous avons le docteur Achi Molongo, qui est l'un des conseillers de la reine d'Angleterre, une personne non des moindres que représente la présence, la venue de ce grand homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Nous bénissons le Seigneur par la grâce de Dieu. Le docteur Achi Molongo est un monument. C'est une figure, c'est une icône. Nous avons le privilège de le recevoir ici en Côte d'Ivoire, mais dans les nations, de nombreuses personnes se reconnaissent en Dr Achi Molongo, parce que réellement, au nombre des hommes de Dieu africains qui sont en train de pousser les normes, ou du moins de déplacer les limites à une certaine vitesse et dans une certaine mesure, le docteur Achi Molongo en fait partie. Docteur Achi Molongo, c'est aussi 40 ans de ministère. Docteur Achi Molongo, c'est une chaîne de télévision qui émet dans 214 pays. Docteur Achi Molongo, c'est un homme d'affaires, c'est un éminent enseignant, c'est un motivateur. Docteur Achi Molongo, c'est un poids. Et c'est une grâce pour nous d'avoir pu réellement recevoir de cet homme de Dieu sa présence ici en Côte d'Ivoire. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui même, Dr Achi Molongo pose les pieds en Côte d'Ivoire et je crois que son impact est sans commentaire. Nous le verrons, nous le sentirons. Vous savez, il est bon que certains hommes de Dieu viennent, mais le plus important, c'est l'impact qu'ils laissent après leur départ. Et Dr Achi Molongo, il crée l'engouement dans la génération des serviteurs de Dieu. Il crée vraiment un certain engouement dans la jeune génération. Beaucoup de personnes réellement s'identifient à lui en tant qu'homme de Dieu, étant parti d'un background, je veux dire, commun, pas particulièrement reluisant, et arriver à ce niveau, c'est une grâce. Et je profite pour dire que pour nous autres, je veux dire, de profiter, d'avoir la grâce d'être sur la même plateforme que cet homme de Dieu, ça n'a pas de nom. C'est à nous que Dieu fait grâce. Amen. C'est à nous que Dieu fait grâce. Et en plus, c'est pour la première fois que le docteur Achi Molongo foule des pieds la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est à ne pas se laisser raconter. Il faut venir. Cet homme porte une grâce et une onction qui sont indescriptibles. Dans chaque nation où il est entré, réellement, ça a commencé à bouger. Au niveau économique, au niveau aussi, donc, de l'impact de l'évangile, ça a commencé à bouger. Dans chaque ministère où, donc, le docteur Achi Molongo est entré, il y a eu croissance, il y a eu bouleversement. C'est à ne pas se laisser raconter. Nous l'avons suivi à la télévision pour, donc, les téléspectateurs pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, Dieu fait grâce. Dieu le déplace dans notre nation. Que vous soyez à l'intérieur, que vous soyez à Abidjan, que vous soyez même dans la sous-région, je veux dire, dépêchez-vous, venez. Venez parce que du 28 au 30, la fréquence sur Abidjan et sur la Côte d'Ivoire va changer. Le programme commence donc demain? Exactement, demain 28, à partir donc de 17h. Il faut venir parce que réellement, il y a une affluence quand on parle de Dr Achi Molongo. Nous bénissons le Seigneur. Donc il faut venir. Le 28, donc demain, mardi 28 octobre, ce sera à partir donc de 18h, nous allons commencer. N'attendez pas 18h pour venir. Venez même un peu plus tôt. Ce sera bien pour que l'atmosphère elle-même prépare les choses. Le mercredi 29, à partir de 8h le matin, nous avons pu obtenir du docteur Achi Molongo qui nous introduise dans l'école du ministère. Il enseignera sur le leadership et sur les principes financiers, donc de gestion. Alors, mercredi 29, à partir de 8h, l'école du ministère.
avec aussi comme orateur à l'école du ministère, Dr Hachim Olowo et les autres orateurs sur l'affiche. Le mercredi 29, le soir, même heure, à partir de 18h, donc nous allons démarrer avec la deuxième intervention pour l'impactation du docteur Hachim Olowo. Le jeudi 30 matin, à partir de 8h, ce sera la dernière session de l'école du ministère. Et le jeudi 30, à partir de 14h, nous serons cette fois au Palais des Sports de Trècheville pour un impact sur la nation. Amen, amen. À proclamation de l'évangile par les médias en Afrique, une structure de télévision d'éthique chrétienne a présenté au public dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire à Abidjan son premier long métrage intitulé Seconde Chance. Ce téléfilm relate l'histoire de deux jeunes lycéens, leur première expérience amoureuse qui aura lieu de graves conséquences dans leur vie d'adulte, tout en mettant en exergue le rôle important des Dieu dans le patron et la réconciliation. Regardez. Comment pardonner lorsque l'on a été terriblement blessé? C'est la trame autour de laquelle s'est construit le tout premier long métrage de la PEMA ACT, Proclamation de l'Évangile par les médias en Afrique, structure de télévision d'éthique chrétienne. Seconde Chance est un long métrage de 2h15 qui relate la vie de deux jeunes lycéens, Samira Kofi et Serge Appia. Une première expérience amoureuse qui laisse des conséquences profondes 12 ans après. Je suis comme mon papa. Pourquoi cette question? Tu sais, maman, il ne veut pas me parler de mon papa. Quand je lui demande à petit qu'il a voyagé, il va revenir. Mais il ne revient pas. Il ne cherche pas à me voir, il ne m'appelle pas. Tous mes amis aiment papa et moi j'en ai pas. Met en exergue plusieurs thèmes, amour, trahison, pardon, mais surtout le rôle prédominant de Dieu, l'évangile dans le pardon et la réconciliation. Gilbert Okoronkwo, réalisateur du film et directeur général de PEMA ACT, se prononce. La morale est simple, c'est d'étudier les jeunes, comment on peut pardonner et il y a toujours la deuxième chance. Même si quelqu'un a fait une erreur, il peut facilement pardonner et réconcilier. Et il est toujours... Pardonne est fort, il peut régler toutes les choses. Mais si on ne pardonne pas, on ne peut pas avoir la solution des problèmes de vie. Nous sommes d'abord à organisation chrétienne. On sait que Dieu a le premier... personne qui nous montrait comment on peut pardonner. Donc c'est à travers le pardon de Dieu à son fils Jésus-Christ qu'on connaît le pardon. Donc si Dieu nous pardonnait, pourquoi nous on ne peut pas pardonner les autres? Un film qui a été bien accueilli par les spectateurs venus nombreux à cette toute première diffusion. Une seconde chance pour dire que tout le monde a droit à une nouvelle chance, quelle que soit la faute commise, afin de réparer ses erreurs et repartir de nouveau. Et cela avec, comme soutien, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le reportage est signé Mireille Conan et nous poursuivons cette édition d'information et nous nous dirigeons au Bénin. Emmanuel Sédégan a fait sortir un nouvel ouvrage intitulé « en vérité, il est aussi écrit, la Bible est biblique, mais pas chrétienne ». Le sujet suscite toujours des réflexions sur la question. Écoutons cet élément pour comprendre les arguments de l'écrivain. Suivons.
Suite au lancement des deux ouvrages, La folie des grandeurs du dollar et Le nouvel ordre mondial et la marche du monde vers le chaos il y a moins de 10 jours, le docteur Emmanuel Sédégan met un nouvel ouvrage à la disposition des lecteurs. En vérité, il est aussi écrit. La dîme est biblique mais pas chrétienne. Ce livre de poche explique les différentes raisons pour lesquelles le chrétien ne devrait pas payer sa dîme. Selon l'auteur, nous sommes sauvés par la grâce et donc nous ne devons plus vivre avec les principes de la loi. Galates chapitre 3 verset dit que celui qui veut appliquer la loi est sous la malédiction. Parce que si tu veux te sauver par la loi, observe toute la loi. Mais si tu brises une seule loi, si tu brises un seul commandement, tu as brisé toutes les lois. Vous voyez? Même par ta pensée, tu pèches. Même par ta parole, tu pèches. Vous voyez ce qu'il dit? Donc, qui peut donc être sauvé? Et c'est pourquoi j'ai dit que vouloir nécessairement appliquer la loi pour entrer dans les grâces de Dieu, c'est ignorer, c'est que Christ est mort en vain. Vouloir appliquer la loi, c'est que Christ est mort en vain. Donc, à partir de ce moment, je dis, nous sommes sous la grâce et non plus sous la loi. Et c'est pourquoi vous allez voir, on pense que c'est un titre provocateur. La dîme est biblique, mais pas chrétienne. Biblique, ça veut dire que la dîme a été appliquée dans la Bible. Et dans la Bible, mais à l'ère chrétienne, eh bien, ça s'est révolu. Parce que Dieu a fait de nous, dans cette nouvelle alliance, des souverains sacrificateurs. Un ouvrage à peine lancé et déjà suscite plusieurs réactions. Le docteur Sorogan est un homme très courageux, un chrétien courageux. Et ce qu'il est, sa conviction, il n'a pas hésité à le partager avec tout le monde. Mais moi, ma conviction personnelle par rapport au sujet, et le fait de donner la dîme ou ne pas donner, à mon avis, et d'après la Bible, il n'y a pas une séparation aussi nette entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On ne doit pas être braqué en regardant le titre. Il faut prendre, acheter le livre, lire et peut-être se rapprocher davantage de l'auteur pour un dialogue ou des échanges. Pour l'écrivain le docteur Emmanuel Sédégan, le chrétien doit mettre tout son être au service de l'Éternel en signe d'offrande, car Dieu est un Dieu de 100% et non de 10%. Le docteur Emmanuel Sédégan est un éveilleur de conscience, nanti de 2 doctorats en économie et en théologie. Il n'est d'ailleurs pas à ses premières expériences en écriture. Le docteur Emmanuel Sédégan est auteur de 7 autres ouvrages. Dans un autre registre, nous poursuivons cette édition d'information. Les législatives anticipées en Ukraine se sont déroulées ce dimanche. Aux sorties des premiers résultats, les partis pro-occidentaux ont obtenu 70% des suffrages. Un résultat qui réjouit le président ukrainien Petro Poroshenko. Une nouvelle classe politique et un rapprochement avec l'Union européenne. C'est ce que l'on peut retenir des premiers résultats des législatives anticipées de ce dimanche en Ukraine, les partis pro-occidentaux cumulant environ 70% des suffrages. Les résultats du scrutin annoncent une nette victoire des forces démocratiques pro-européennes et pro-ukrainiennes. Et cela nous donne beaucoup de possibilités pour développer le pays et engager les réformes, s'est félicité le président Poroshenko. Le Parlement ukrainien s'apprête ainsi à changer radicalement de visage et à incarner davantage l'esprit de la contestation de Maïdan, qui exigeait plus de démocratie et plus d'Europe. Nous avons 10 jours pour créer, je l'espère, le meilleur gouvernement en Ukraine, a repris le président Poroshenko, car aucun autre gouvernement ne fera face aux défis auxquels le pays est confronté aujourd'hui. Sur fond de récession économique et de conflits armés entre forces ukrainiennes et rebelles séparatistes dans l'est du pays, l'Ukraine doit notamment engager des réformes de la justice, des structures de l'État et lutter contre la corruption. Je viens d'avoir une réunion avec le président ukrainien et nous allons, dans les meilleurs délais, former la coalition, a déclaré le premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk à la tête du parti Front Populaire. Je souhaite que le nouveau gouvernement soit formé exclusivement de personnes compétentes, capables de conduire les réformes en Ukraine.
La question de la guerre dans l'Est et de la fermeté vis-à-vis de Moscou pourrait être un point de discussion sérieux dans la formation de la coalition. Comme je vous l'avais annoncé dans les titres, Dilma Rousseff, la dame de fer brésilienne, garde les commandes du Brésil avec 54% des voix. Son rival du centre droit, Archilo Neves, a reconnu sa défaite. Réélue de justesse, la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, appelle au dialogue. C'est une courte victoire, mais un succès personnel. Dilma Rousseff a remporté un second mandat de 4 ans à la tête du géant de l'Amérique du Sud avec plus de 51% des voix. À 66 ans, au terme d'une campagne très rude, celle qui est surnommée la Dame de Fer brésilienne est parvenue à l'emporter sur le fil en séduisant les régions pauvres du Nord-Est. C'est son bilan social dans le sillage de son mentor et prédécesseur Lula qui l'a sans doute sauvé d'une défaite. Le Parti des travailleurs remporte un 4e mandat consécutif, mais l'usure du pouvoir, l'essoufflement de l'économie et les accusations de corruption ont fortement pesé sur le scrutin. Son rival malheureux du centre droit, Aécio Neves, a reconnu sa défaite, tout en appelant la présidente réélue à former un bon gouvernement qui devra unir le pays avec un projet honnête. Confronté à un futur congrès plus conservateur, Dilma Rousseff s'est engagée à dialoguer, à promouvoir une réforme politique et à combattre la corruption, avec des peines plus dures. Elle prêtera serment pour son second mandat présidentiel le 1er janvier prochain. Le Premier ministre britannique David Cameron n'est pas d'accord avec cette facture et qu'il dit soudainement de la Commission européenne qui demande 2,1 milliards d'euros de rallonge du budget communautaire. Regardez. L'addition ne passe pas, colère et incompréhension de David Cameron. Le Premier ministre britannique refuse de payer la rallonge de 2,1 milliards d'euros réclamée par la Commission européenne pour sa contribution au budget 2014. Motif avancé, une santé économique meilleure que prévu. Lorsque vous écoutez une partie de la Commission européenne, c'est toujours le même discours. Le résultat de cette facture, c'est un ajustement technique. Tout le monde doit payer, n'est-ce pas? Nous sommes un membre de cette organisation dans laquelle nous avons investi. Nous sommes un acteur de premier plan. On ne peut pas adhérer à une organisation qui nous présente soudain une facture de 2 milliards d'euros avec seulement 3 semaines de préavis. Ce n'est pas un comportement acceptable. L'Union européenne doit comprendre que si cela continue, il ne faudra pas qu'elle s'étonne qu'un de ses membres lui dise « maintenant, il faut changer ». Cette annonce met en tout cas tout le monde d'accord au Royaume-Uni. La classe politique vend debout contre cette proposition du Labour au parti europhobe UKIP en passant par les conservateurs au pouvoir. La classe politique britannique est révoltée. Lors d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires du géant américain de la banane, Chiquita ne rachètera pas l'Irlandais Fives. Contretemps dans le secteur de la banane, Fives sort du giron de Chiquita. Les actionnaires du géant américain de la banane ont en effet voté contre le rachat de cet importateur et distributeur irlandais de fruits exotiques vendredi lors d'une AG extraordinaire. Selon le projet de fusion, en cas d'annulation des noces, le groupe américain doit dédommager Fives. L'indemnité de rupture atteint 3,5% de la valeur du groupe américain, soit environ l'équivalent de 13 millions d'euros. Chiquita sera aussi tenu de dédommager la société irlandaise s'il doit convoler avec une autre fiancée dans les 9 mois à venir. Dans le but de renforcer les caisses de l'État, à Hongrie, une taxe a été mise sur Internet, une décision qui a créé des heurts dans la société. Une manifestation contre une taxe sur Internet dégénère en Hongrie. Un groupe de militants opposés à Viktor Orban s'en est pris au siège du parti conservateur nationaliste du Premier ministre. Ce dernier est accusé une nouvelle fois de dérive antidémocratique. Plusieurs personnes ont lancé des projectiles contre le bâtiment du Fidesz. Avant l'arrivée d'un impressionnant dispositif policier à Budapest, il y a eu des arrestations. Quelques heures. Alors qu'auparavant, c'est dans le calme que s'était déroulé le rassemblement pour dénoncer la taxe sur l'utilisation d'Internet. On est ici non seulement pour dire non à cette taxe, mais aussi pour dire qu'on en a marre de ce gouvernement. Ne vous laissez pas couper du monde. Cette taxe va couper la Hongrie du monde. Son développement technique et des milliers d'emplois sont menacés, ainsi que toute notre économie, estime l'organisateur de la manifestation. Un projet également critiqué à Bruxelles, Nelly Kroes, la commissaire européenne responsable des nouvelles technologies, a estimé dans un tweet que cette taxe était une honte pour les utilisateurs et une honte pour le gouvernement hongrois.
Et nous fermons cette édition avec un point de sport. En parlant de voltige aérienne, la tête de ce sport cette année a été occupée par le Britannique Nigel Lamb. À 58 ans, le Britannique Nigel Lamb devient pour la première fois champion du monde de voltige aérienne. Il succède au palmarès à son compatriote Paul Bonhomme, sacré en 2012 et en 2013, en s'assurant du titre à l'occasion de la 8e et dernière manche de la saison disputée à Spielberg. Chez lui, devant 45 000 spectateurs, l'Autrichien Hannes Arsch se contente de la 4e place et termine vice-champion du monde pour la 3e année d'affilée. En finale, Nigel Lamb doit s'incliner devant le Français Nicolas Ivanov, déjà vainqueur au Texas le mois dernier. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin cette édition matinale. J'ai été très ravie de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur Beni TV, la chaîne d'État Grâce. Et n'oubliez pas l'éternel de mes dieux.